'Tis old Stonewall the rebel that leans on that sword. And while we are mounting, praise low to the Lord. Now each cavalier that loves honor and right, let him follow the feather of Stuart tonight. Come tighten your girth and slacken your rein. Come buckle your blanket and holster again. Try the click of your trigger and balance your blade, for he must ride sure that goes riding to raid. Now gallop, now gallop, to Swinmore to Ford. Old Stonewall still watching, praise low to the Lord. Goodbye, dear old rebel, the river's not wide, and Maryland's lights in her window to guide. Come tighten your girth and slacken your rein. Come buckle your blanket and holster again. Try the click of your trigger and balance your blade, for he must ride sure that goes riding the raid. There's a man in the White House with blood on his mouth. If there's knaves in the north, there are braves in the south. We are 3,000 horses and not one afraid. We are 3,000 sabers and not a blade. Come tighten your girth and slacken your rein. Come buckle your blanket and holster again. Try the click of your trigger and balance your blade, for he must ride sure that goes riding the raid. Tis old Stonewall the rebel that leans on that sword. And while we are mounting, praise low to the Lord. Now each cavalier that loves honor and right, let him follow the feather of Stuart tonight. Come tighten your girth and slacken your rein. Come buckle your blanket and holster again. Try the click of your trigger and balance your blade, for he must ride sure that goes riding to raid. Now gallop, now gallop, to Swinmore to Ford. Old Stonewall still watching, praise low to the Lord. Goodbye, dear old rebel, the river's not wide, and Maryland's lights in her window to guide. Come tighten your girth and slacken your rein. Come buckle your blanket and holster again. Try the click of your trigger and balance your blade, for he must ride sure that goes riding the raid. There's a man in the White House with blood on his mouth. If there's knaves in the north, there are braves in the south. We are 3,000 horses and not one afraid. We are 3,000 sabers and not a blade. Come tighten your girth and slacken your rein. Come buckle your blanket and holster again. Try the click of your trigger and balance your blade, for he must ride sure that goes riding. Bienvenue dans cette découverte du jeu Ultimate General Gettysburg. Donc c'est un jeu qui se passe à la guerre civile qu'il y a eu en Amérique en 1845, je crois qu'il me semble que c'est dans ces eaux-là quoi, à peu près, si je ne me trompe pas. Donc c'est ça retrace une bataille importante qui aurait fait basculer l'histoire en fait, qui est la plus célèbre. Donc ça a été développé par GameLab. Donc en fait c'est un regroupement de modeurs qui se sont regroupés et qui se sont lancés. Ils ont fait déjà un mode assez célèbre qui a très bien marché sur un autre jeu qui s'appelle Empire Total War. Dans lequel ils ont rajouté énormément de choses au gameplay sur ce jeu. Ils avaient rajouté des navires,
plus combien de. Ils avaient rajouté plus d'hommes encore et tout ça. Donc c'était assez conséquent. Donc là, ils ont sorti un jeu qui est celui-là. Et je pense qu'on aura quand même quelque chose de assez corsé. Donc on va lancer une bataille. Faire découvrir. Donc là, on a le choix entre deux, entre l'Union et la Confédération. Alors, je vais lire juste là brièvement. Alors, l'Union déploie efficacement son artillerie et son infanterie est énormément équipée. Alors que la Confédération a des soldats ont un esprit de courage, donc une très forte volonté. Donc en fait, ils ont, au niveau moral, ils perdront pas. Par contre, ils ont une sacrée puissance de feu. Voilà, bon, à peu près. Je suis pas un expert en anglais, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais jouer les confédérés. Voilà, il y a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ben, 9 niveaux de difficulté. Ce qui est pas mal. Donc, risqué, offensif, déterminé, dynamique, balance, opportuniste, casual, défensif, et curing, je sais, cunning, je sais pas. Puis en plus, on peut rajouter un boost pour l'IA. Donc, je vais pas le mettre parce que. On verra bien. Je vais mettre random aussi, on peut mettre. Donc ça va choisir parmi ces 9 difficultés. Alors on verra bien sur laquelle on tombe. Et on lance la partie. Donc Général Lee, votre ordre est de prendre engagement l'armée de Virginie du Nord. Les rapports indiquent une milice locale qui défend la ville de Gettysburg. Et vous en avez une opportunité, général. Votre mission, capturer la rive ouest. J'ai deux bataillons, j'ai deux brigades d'infanterie, ainsi qu'un bataillon d'artillerie, ainsi que des chasseurs à ma disposition. J'aurai une sérieuse résistance, mais non expérimentée, donc à faire attention. Voilà, ça risque de me coûter cher. Ok, capturer les points. Tac, bonne chance. Ok. Qu'est-ce que c'est? Détails. Ah, on peut voir les détails. Donc, hop, on voit les bataillons. Ainsi que les personnages qui ont existé. Ça c'est bien. On a vraiment les personnages de l'époque qui de la bataille. Lui, Thomas, je suis sûr que vous tapez troisième corps de réserve. Je pense que on tape ça sur Wiki et on trouve tout de suite. Ok. Et l'Union, qu'est-ce qu'il a? Un. Alors deux batailles. 1, 2, 2 bataillons, une artillerie, on a à peu près force égale, de la cavalerie, un cavalier, 2 chasseurs, détachés, ouais, bon, ok. Bon, on verra, bah, et c'est parti. Hop, on met sur pause, et on va regarder un peu ce qu'on a. Alors, on peut zoomer. Donc, c'est hein, la carte, c'est tout, ouais, c'est une carte. Mais vraiment, quand on zoome, c'est pas des vrais bâtiments, c'est un fait optique. C'est pas mal, j'y avais pas pensé. Donc ça, c'est mes forces, 2500 hommes, 1200, mes chasseurs. Ok. On va remettre. Donc, hop, on va avancer. Hop, on va mettre
comme ça. Ça. J'ai vu qu'il y avait un point là-haut. On va essayer. Je vais envoyer cette armée comme ça. Hop. Hold. Hold, ça permet de qu'ils soient à couvert à 84%, ce qui est pas mal. Action, ils vont tirer. On peut zoomer un peu. Graphiquement, c'est pas trop mal. En tout cas, là, je les fais fuir. Là, ils prennent cher. Ça va faire du bien. On va les mettre là. Toi. Toi, je vais te mettre. Je vais te mettre là, hop. Hop. 26%. Hop. Halt. On va s'arrêter. Je vais me faire tirer dessus. Les feux. Parti. Et là, il commence à tirer, c'est bon. Ça, c'est mon général. On va l'emmener ici. Une armée qui arrive là-haut. Donc là, ils ont de la cavalerie. Ok. Là, il perd pas mal d'hommes, c'est pas mal. Là, il fuit. L'ordre. Je te remets en couverture. Qui a 27, c'est déjà pas mal. On perd plus d'hommes. On va courir. Vu qu'il fuit, on va se mettre ici. Et on verra bien après. Voilà. Alors, ça résiste. Vous allez tirer sur lui. Toi, tu vas te mettre à tirer sur lui. Halt, on va arrêter. Halt. Pas assez près, fais voir. Ah ouais, je suis juste à la limite, donc il y a moins de chances de tuer. Ok. Mon armée là-haut est arrivée. On va se mettre comme ça. Mon armée, je sais. On va la mettre là. Tant qu'ils sont occupés ici, on va pas m'embêter. Je vais avancer un peu, je vais faire courir. Une division arrive, ok. Marche. Une nouvelle division. Je devrais avoir la mienne aussi bientôt. Donc là, je suis à 38%, ce qui est pas mal. Eux, ils n'ont pas de couvert, donc ça risque de. Par contre, ils ont deux bataillons, ce qui est pas, ce qui m'enchante pas. Donc il fuit, c'est bon. J'ai pilonné ça.
Toi tu pilonnes celui-là. Et toi tu pilonnes celui-là. Un peu essayer de les prendre de vitesse. Ah, ils ont le premier bataillon qui arrive là-haut. Waouh, il y a du monde là. On va se mettre à couvert. Ils sont à combien? 54%, qui est pas énorme. Je peux pas réduire la zone d'effet, non. Là, deux bataillons, c'est pas bon. Vous courez, vous allez me prendre cette foutue position. Toi, tu vas essayer d'avancer là-haut. Toi, tu vas te mettre en couverture 67%, donc ça devrait me protéger, donc j'aurai moins de morts. Eux, ils en ont pas. Là, ils vont avoir total. Là, ils reviennent en faisant ça. Fasse vite. Ils se redéploient. Hop, faut que j'avance. On va courir. Essayer de les prendre. Ouais, génial. Par contre, là, halt. On se met en position. Je suis de mal parce que là je suis entre deux feux. Oula, ils ont leur renfort là. Pas bon ça. Moi j'ai pas de renfort. Pas bon ça. Tant qu'à faire. Combien d'hommes? Ouais, je vais perdre la position. Faut que je me replie. C'est pas bon ça. Hop, on va arrêter. Est-ce que je peux me retourner là? Ça devrait être bon. Ah, je vais avoir un contingent qui va arriver. Allez. Ah, mes contingents. On va prendre ces deux-là. Deux. Faut que je prenne deux positions, mais faut que je prenne surtout celle-là. En tout cas, il faut que je la tienne. Toi, tu vas aller là. En général, là. Perd des hommes, il faut que je me barre. Bon, j'ai toujours une position en plus, donc dans l'histoire, je pourrais gagner. Là, pour l'instant, c'est eux qui gagnent, il faut que je me replie. Ils sont plus nombreux que moi, ils sont combien? 10 000 hommes, et moi, j'ai que 6 000 hommes. Bon, mais avec ça, j'arrive à les à courir, c'est. J'ai des confitures. Donc j'ai mes deux armées. Donc là j'ai 1 300 hommes. On va faire comme ça. Toi tu vas comme ça. Et tu me les encercles. Ça devrait passer. Comme une lettre à la poste. Ah, j'ai du bataillon. Toi je vais te mettre là. Toi aussi. Et toi.
bataillon là-haut, il tient bon, c'est ce qui compte. Mince, pourquoi tu fuis? Tu devrais pas fuir. Mince. Tirer. On va essayer d'attaquer comme ça. On va les faire courir. Vous, vous tenez la position avec mon général ici. On va le faire. Vous, vous me pilonnez celle-ci pour la faire céder. Et toi, tu me fais. Non, toi, tu me fais céder celle-là. Toi, tu vas me faire céder celle-là, qui devrait me faire gagner du temps. Toi, tu avances à vitesse grand V, tu vas courir. Mince, ça les canons, ça a l'air d'être chaud. Purée, pourquoi il a hyper? Putain, mais c'est pas possible. On monte, toi. Tu vas me les faire dessouder, ceux-là. Allez, pourquoi hyper? 17% condition, ça. Là, il charge pour ça. Donc la charge a une sacrée importance. Toi, tu vas me détruire. Faut que je récupère la position là-bas. Là où ça marche plus. J'attaque par en bas. Que je tiens pas la position là, c'est mal. Toi, tu veux pas me la détruire. Comment on va faire maintenant? En principe, ça devrait marcher, mais ça marche pas. Là, ils ont plus de force qu'on y en met. 10 000 contre 11 000. Hein, je devrais gagner, mais en 1000 hommes de différence, c'est pas énorme. Surtout qu'il perd du moral. Puis j'ai qu'un seul général, lui il en a deux, apparemment. Et mal barré, général Lee. Il faut que je gagne ma position. Combien? 47%. J'ai arrêté de me casser les pieds. Toi, c'est surtout celle-là qui m'embête. La hauteur, je pourrais la tuer. Ouais. J'ai raté de courir.
chaud. Chaud les marrons. Ah, ils sont recapturés. Ce qui est pas mon avantage. Allez, le fer, elle est là. Déjà, et on verra après. Je fasse monter mon moral. Le toit couvert, au mieux. Allez, 10% et 3, 2, 1, 0. Putain, j'ai plus de moral. J'ai plus de moral. Lui, il a combien? 50%, 48. Mais ce qui est chiant, on peut pas savoir le moral qu'ils ont. Pourquoi il perd autant de moral? Toi, ce que tu vas faire, tu vas venir comme ça. Toi, tu reviens là-bas. Tu vas me fumer. Tu vas courir, tu vas t'y mettre. Allez, chargez. Courez tous. Hop. Je veux courir. Je perds trop de morale. Pourquoi? Oh, faut me dire que leurs canons me font autant de dégâts. Quand même, j'ai encore 1500 hommes, il y a 83 mecs, faut arrêter. Donc là, toi tu reviens là, tu vas l'attaquer par l'arrière. Toi tu vas me dégommer celui-là. Toi tu vas me dégommer celui-là. Toi tu tiens position. J'ai perdu la position. Tu reviens par là, tu remontes. Toi, tu... J'ai perdu des canons, ça c'est pas bon. Je tombais, ça se trouve, sur une IA assez importante. Mais bon, ça devrait passer quand même. Condition, ça va, morale reprend. Bon, là j'ai réussi. Toi tu reviens là. Toi tu te barres pas. T'interdis. Toi tu reviens ta position que t'étais. 9000 contre 9500. Ça va être pas énorme, mais c'est faisable. Ouais, super, je vais prendre. Je vais prendre la position. Ça devrait me laisser. Donc la bataille va bientôt se terminer. On est en 1863, ça s'est passé. Et il va être bientôt midi dans le jeu. Est-ce qu'on va réussir? Toi tu tiens. Oula. Toi, je crois que je te remonte là. Au pas de course. Toi aussi. Au pas de course.
Allez. Plus que ça. Hop, c'est bon. On est récupéré. C'est parfait. 1500 hommes, 1800. Là, il faut que je fasse de la défensive parce que là, c'est mal barré. Tu vas courir, tu vas te mettre au bas de course. Toi, tu vas te mettre en camouflé, combien? 55%. Bon, c'est pas énorme, mais bon, ça devrait suffire. Toi, tu vas attaquer là-bas. Allez, combien? 12%. Je peux pas te faire un clé de ralliement, non, ça marche pas. Allez. Ah oui, c'est bon ça, j'ai fait. Ah, j'ai fait perdre beaucoup d'hommes là. Oula, ça descend une vitesse. Ça c'était beau. Bien joué. Toi tu te mets comme ça. Toi tu te mets. Tu cours pas. Toi tu te mets comme ça. Qui va me donner un avantage. Voilà. Comme ça, ça va. Voilà, ils ne pourront plus récupérer. Parfait. Hop. Hop. On va se poser comme ça. Là, c'est bon. Ah, je tiens les positions. En principe, à midi et demi, dans le jeu, je devrais avoir les positions. Ouais, j'ai toutes les positions. Toi, tu vas faire un coup comme ça. Voilà. Au pas de course. Toi, tu ne cours pas, mais tu restes sans couvert. Ce qui va être plus de position. Tu vas t'attaquer à ça. Toi aussi. Lui, il va pas tenir très longtemps. Non, ça va. Quel bataillon celui-là? James Pettigrew. Ouais, il résiste bien. Parfait. Bon, je me fais pilonner, mais c'est pas grave. Il prend cher quand même. Combien? 32%. Ok. Toi, tu résistes. Pas trop mal. C'est parfait. Et c'est une victoire majeure. Donc, j'ai récupéré. J'ai gagné. Ce qui est pas mal. La fin s'est fait à 12h19. J'ai récupéré deux autres positions, celle du nord et celle du sud. Qui est pas mal. J'ai perdu 3000 hommes quand même. Mais lui, il en a perdu 2500. Donc voilà. Donc c'était une petite découverte sur les batailles qu'il y a eu. Sur cette bataille qu'il y a eu. Mais il y a plusieurs autres batailles qui se sont situées sur plusieurs jours en fait. Donc j'espère que ça vous aura plu cette découverte. Et je vous dis à la prochaine.